Au jour d'aujourd'hui, Mahid commence à se développer. Les milliardaires commencent, ils s'annoncent avec leur pince de crabe pour sucer le sang des petits maorés, les cultivateurs et les petits commerçants de cette île. Après, finissent sucer le sang de petits. Qu'est-ce qu'ils provoquent? Ils sucent aussi la moelle, ils provoquent de la cancer. Donc, nous sommes piégés aujourd'hui avec cet îlot. Bas, je m'arrête là. Merci. Voilà, car si je vois ton routine, on te dit que je vois que je suis en vidéo, que je suis en vidéo, que je suis en vidéo. Mais j'ai dit que je suis en vidéo, la chef de service matin, la ma commande à l'aide du foyer, la capable de me dire. Mais là, tu vois, on a dit que je suis en vidéo, la possibilité de tourner mon la main, la possibilité de tourner mon la circale. Ata ele para na kitidio que se para na isha de se na sua lá. Para lá onde o tia disse na chefe a serviço marinho mas o salavan mana capara já leu, bati a nadar para aí après a sujavan, necacar o vanu a sufarage bem atla vacância então necaia urgente a sujacamban. A une gamba respire à tout jacques. Il y a urgent. Ah, mais je vais vous faire un peu de temps. Oui, tout jacques. Mais en amaïdé, par rapport au gamba, je vais par rapport à des escorts, je vais vous faire un peu de temps. Il y a tout jacques à Jaïdé, à urgent à Mamãe, por esse carinho, esse é o seu aiá. Lá, que lindo, que lindo. 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 Lá, que
S'il vous plaît. Il y a une période où certains champs sont laissés à la chaîne, comme quoi non cultivés aujourd'hui, parce que beaucoup de familles sont parties à la Réunion avec le fond. Donc ça fait partie des champs à la chaîne, je pense à 2-3 ans, et je crois même si certains champs sont laissés à la chaîne, c'est au bénéfice de la nature pour que ça reprenne pour la fertilité des terres. Et il n'y a pas de désaccord du fait que dans ces champs, il y a plus de bananes, plus d'autres cultures, puisque nous disons que de l'histoire, historiquement, la culture là-bas est centrée sur tous les denrées alimentaires cultivables. Donc ça a toujours été, aujourd'hui il n'y a pas de champs de riz, mais à l'époque c'était déjà le riz. La plantation du tomate et des aubergines, chaque saison rythmée certains fruits d'ailleurs. Donc pour nous, il n'y a pas de contradiction. Certains, il y a renouvellement des plantes d'orange, mais ça c'est une question. Nous c'est bien donc quand même que ce soit aujourd'hui ou dans un autre temps qu'on puisse partir sur des accords communs. Et sur le point là, il y a un point qu'on doit souligner au niveau, on a parlé de la rétrocession du territoire îlot dans la commune. Maintenant, on parle de gestion. Mais si on reste sur la base d'une gestion, on aimerait que cette gestion soit uniquement réservée à la commune, voilà. Pas d'association. Même nous, cultivateurs, qu'on ne veut pas qu'on entre dans le cadre d'une gestion de ces territoires. On est partenaire, acteur sur l'îlot, mais la gestion devrait rester au niveau de la commune. Voilà. C'est ce que disait Bruno. Et à partir de maintenant, on aimerait savoir sur l'annulation de cette convention, voilà, qui lie l'ADIN à ce projet au niveau de l'îlot. Voilà. On s'engage sur des. C'est pas une question déjà, je dis par hasard. Comme il est cultivé jusqu'au sommet, il y a des chemins qui mènent un peu partout dans les champs, qu'on peut d'ailleurs baliser et s'arranger avec les cultivateurs et la mairie pour que ces chemins-là soient propres, mais créer d'autres chemins au risque d'enlever des cultures déjà plantées, ça nous ne sommes pas d'accord. Que le chemin soit naturel, comme les chemins des touristes soient naturels s'ils ont envie de visiter les champs. Et sur une chose, oui, en fait, le système touristique, économique, où le cultivateur peut établir quelque chose dans son champ. Même pour nous, on ne veut pas ça, parce qu'on connaît le danger sur ça. Si chacun est autorisé de construire un petit quelque chose dans son champ, c'est demain tout l'îlot qui sera, les bangans qu'on a vus sur la plage, on les retrouvera dans les champs. Non, on veut que cet îlot soit réservé uniquement à des fins agricoles. Et s'il y a réhabilitation d'un taux B sur l'îlot, que ce soit l'ancien taux B qu'on a décrit ici, et qui, sur le coin de l'îlot, les premières cases qui ont été détruites, c'est seulement ce taux B-là qu'on demande la reconstruction. On va avoir une date aussi de ces constructions. Sur la page des engagements écrits. Alors, non, mais deux points. Là, vous discutez
Ça y est, on est dans le comité de pilotage du développement. Il y a ce que vous dites là, c'est respect des chemins naturels, pas de construction supplémentaire dans les champs. C'est très précisément ce qui a été évoqué tout à l'heure sur, à un moment donné, il faut qu'on rentre dans la discussion sur l'avenir à partir de ça. Mais c'est exactement ça. Et moi, j'allais dire, vous êtes vraiment là, cette discussion, il faut la commencer le 30 juin dans le comité de pilotage avec les représentants, pour dire ce que vous avez envie d'avoir. Et effectivement, c'est très précisément le genre d'orientation qui doivent être discutées demain dans le cadre du projet, parce que le projet il a pour objectif de définir ce que vous voulez faire et non pas d'imposer des choses. Quant au camp, c'est dans les semaines qui viennent, le 30 juin, comité de pilotage, les démolitions elles sont terminées. Il reste que sur les hauteurs, il y a quelques constructions en tôle qui seront détruites en juillet. Et donc à partir de là, on a délégué les 300 000 euros. Vous discutez sur la reprise des constructions et ça peut démarrer vite dans les conditions évoquées tout à l'heure. Donc on est sur des projets qui sont des projets de court terme. Mais ça, on est au cœur de deux processus qui sont à mettre en place. C'est trouver un lieu pour discuter de ce qui va se passer maintenant. Et deuxièmement, avoir à partir de ce lieu une discussion entre les agriculteurs et le conservatoire du littoral sur la façon dont on reconstruit le tombé de notre lieu. Ouais. Mais on est d'accord que à partir de maintenant, il n'y a aucun autre pas d'autres travaux sur l'eau en dehors de la construction du tombé, pas de ponton, pas de faré, pas de. Alors, on n'est pas d'accord sur un point, je vous l'ai dit, c'est le ponton. Le ponton, on en a besoin dans la cohérence du projet. Alors on peut revenir, expliquer, travailler sur un certain nombre de choses. Mais le ponton, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on peut, on ne peut pas supprimer le ponton dans le contexte du projet. On ne va pas le démarrer. Parce qu'on ne voulait pas entrer dans le débat de l'immigration clandestine. Mais nous, notre remarque, c'est la remarque générale qu'on fait tous les jours chez nous, c'est que le point de chute des séquençats venant d'Anjouan n'est pas uniquement l'îlot. Donc, qu'on installe un dispositif de surveillance sur l'îlot, cela n'empêcherait pas les poissons d'entrer en Mayence. Donc, alors que nous savons que les conséquences sont. Parce que là, si le ponton est construit, c'est dit que le lieu n'est pas un champ, mais c'est le champ de cette dame. C'est le champ de cette dame, nous on connaît, on se connaît, on connaît la même parcelle, même l'espace d'un pied. On peut dire qu'à partir de là, on commence le champ que ça, on puisse regarder à partir de ce qui a été établi par l'association, du travail qui est fait, de l'identification des parcelles, et que ce sujet soit traité quand on en est là. Oui. Après, pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai, mais à Kamikeli, aujourd'hui, on a construit un ponton. Aujourd'hui, à Bandrélé, on construit un ponton. Ici, à Mfamboro, en particulier avec la configuration de l'îlot, on a besoin dans ce cadre-là. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a des entrées partout, sauf qu'il faut qu'on commence partout à mettre des dispositifs qui permettent d'être plus efficaces et plus présents sur le terrain. L'avion, on a un avion qui survole de Kwassa Kwassa, quand il tourne, effectivement, il ne tourne pas qu'autour de Mfamboro. Il fait l'ensemble des passes, il est guidé par les radars, etc. Mais en même temps, si on ne mène pas ces politiques-là partout sur l'ensemble de l'île, et donc sur la construction de pontons, vous n'êtes pas les seuls. Sur la construction de pontons, il y a le ponton de Mfamboro, il y a des pontons dans le sud, c'est un ensemble qui effectivement est destiné à ça. Et c'est. Alors après, sur l'emplacement du ponton, il y a aujourd'hui une proposition. C'est une proposition qui est basée sur des études environnementales qui permettent de mesurer l'impact sur le plaquier, qui permet avec l'impact sur l'îlot, etc.
qu'il y ait des choses à discuter derrière sur la prise en compte des inconvénients du ponton, il faudra obligatoirement le faire. Mais sur le principe des besoins du ponton, c'est, je pense, le vrai point de désaccord que nous pouvons avoir aujourd'hui. C'est nous ne renoncerons pas au ponton. Mais sur tout le reste, je vous le dis, moi, vous êtes en train de discuter d'orientation qui, vis-à-vis de l'État, je ne sais pas si elle pose des problèmes ou pas, mais en gros, j'ai pas, je trouve que ce que vous proposez a du sens quand on dit on reprend les sentiers naturels. Mais simplement, il faut le lieu pour en discuter, le lieu, c'est le comité de pilotage qui vous a été proposé par la ville sur l'élaboration du projet. Je souhaite prendre la parole. Waouh, cabinetrice. En bas, on a des épanouis, je vous ai amené. Waouh, tu regardes ma photo où j'ai ma. Waja. Tu es là, ou quand je suis là, on a dormi. À Kobadi, ou on a chidi, ou j'ai tout. Il est là. Ça fait que ce que ma mère a appris, c'est moi, Caribéenne, ma maison m'a dit, pas la roule, Wabouba, comme chanter, ma mère, Mouricatrika, Voici la couille de la main, on va pas de ça, il doit la sécher. Ah oui, à barre. Parmi les milliards de barres, la oui. Sarah, nous sommes d'avoir choix, on a mon libre si tu voyages. Basse. Mais ponton et qu'on enlève tous les autres chantiers, falais, tout le caractère touristique que vous voulez. Parce que nous, on pense que si aujourd'hui, dans cette négociation et dans le futur, on parle du principe qu'on autorise le ponton, peut-être on va nous dire, ouais, la gestion ne va pas immédiatement s'arrêter au niveau de l'association. Bon. À DIN aujourd'hui et que les choses vont se poursuivre et on arrive à un désastre où peut-être vous aurez les moyens maritimes pour nous interdire par la force d'aligner sur le territoire et vous voyez très bien la gravité de cette situation et que vous mesurez vraiment la conséquence de l'ouverture de cet îlot à des activités économiques et touristiques, autres que l'agriculture. Donc, pardonnez-moi, parce que j'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris. Je vous ai bien dit que le projet ne permettait pas l'ouverture d'activités économiques autres que l'agriculture, sauf dans le cadre de la gestion que vous aurez à mettre en œuvre, si vous décidez que dans le cadre de l'agriculture et de l'agrotourisme, vous mettez en place ces choses. Mais le projet aujourd'hui que nous portons, il n'y a pas ces déterminations-là dans le projet. Il n'y a pas d'activité économique autre que l'agriculture. Mais à travers les enjeux. Et donc, elle demande à ce que le projet arrête parce qu'on n'a pas encore commencé et que déjà il y a des pertes au niveau des sanctions. Donc, moi, par rapport à ces pertes,
je proposerai à ce qu'on fasse une évaluation de tout ce qui a été dommagé à travers ce projet, bien sûr, qu'on puisse faire un remboursement de ces personnes qui ont été lésées. Évidemment, je ne serais pas engagé à faire ça. Et s'il y a des gens qui ont des enfants dans le cadre de ce projet, on peut être devenu des enfants. Je pense que des accords par rapport à nos revendications. Non. Moi, je n'ai pas de désaccord par rapport à vos revendications. Je vous le dis, je le redis parce que vraiment j'ai l'impression de ne pas être compris. Le projet ne prévoit pas d'installation d'autres activités économiques que l'agriculture. Moi, je n'ai pas de désaccord avec ce que vous avez dit, à l'exception de l'histoire du canton. Et le fait que nous ne voulons pas de sentier là-bas, nous ne voulons pas de forêt, parce que tout ça, ça ouvre à une activité autre qu'agricole. Aujourd'hui, nous avons l'habitude que les touristes viennent sur la plage, campent parfois des nuits, mais ouvrir le territoire intérieur à ces constructions, nous ne sommes pas d'accord. À la limite, nous resterions sur le ponton. Bien que vous dites que ça n'empiète pas, c'est une discussion, je m'excuse, hein, mais c'est une discussion qu'il doit avoir entre vous. C'est une proposition qui peut être agir derrière. Moi, je suis là, oui, quand vous dites que la gestion de ces îlots revient à la commission, je suis avec vous. Contre ça, c'est parce que tu dis. Le salam alaykoum. Moi, maintenant, j'ai un temps de jour. C'est à Barça de Mina. Wami Ranguna Zalot Zaba Siwani. Leona Vasavan, Wasikar Sara Shatongo, Tsuko Yotsi, Yamurunra, Yatimunra, Yapoto, Yatipoto, Deja Potele Munibadal in Dranyam, Wamitakubali. Photo Zileti Zibunguranguza Jiba, Zuzi, Manayangu Lady, or Hadisibal in Baputrika Suyamalavun, Besukaba Harin, Zo Chambo, Yesus Yahari Baharin Babutes, who are Mamalav. Tilibasavan Rogovan in Baputri to hear Drani, to hear Malavun. Na malavuni babu, tibahali wangina, bewo de mdra wangu. Leona basabami, wami hadisi ya nyuyo, ya poto ya nyuyo, ya sende mdani hangu tibenzi. Isa bandia babu, sisi wayatu inde, idekara itanga na mtuwa tuko yoti, beli wa mababa tuna mahuku ya tuna wametu, ni watanga isisi wa. Karibenze, wasule mtu, andramo na isisi wa karibenze. Izo zisa. Karibenze, sisi wayatu, karibenze. Wasule mzungu, wasule mwarabu, wasule mhindi. Ahia muna sisi wa karibenze, sisi wetu yo. Na yele nefeti, wame mdilovan, maskan, rasulawe, shiswele ka partuka ya shintamboro. Waster limo bali, ve shiswele ya sirkali. Waspi ujomele sirkali. En 2009, Sarkozy de Airenga Ambaye conservateur du littoral. Kachou Kago. Qu'est-ce qu'on va voir Mera Leo de Nasia Karatas Namba Sirkali Siwe Sambo. Maintenant, il y a deux Sirkali. Karatas n'est signé. Narome l'esprit. Karatas n'est pas un problème. Mais il y a un problème. Nous avons dit Siwa. Tout ce qui s'y
armes projet. Mort des ennemis préfèrent moi. Le roi comité de pilotage, il y a Moïse Talatine. Préfère que Baliba, en Bayani Parabona, qui compte en eux. Toujours il y a 10. Neka karta sifare, neka karta zinze, zopia wasi la mozi, definisi ato ras kubani. Hadisi yo. Yode shtu hai rongwa wano tina mne. A rongwa mba tujari hadisi, nari abatana na sifare, na zinze zo neka karsusa. Zop tujari hadisi. C'est pourquoi nous avons demandé la réponse du territoire à la commune. Parce que nous savons qu'il y a des valeurs. Il y a des ambitions du développement autre que la nôtre. Donc, c'est une vision extrêmement difficile. Parce qu'on est tous élevés par ces pilotes. J'ai entendu tout à l'heure que les membres de l'association ont autant l'amour de ces pilotes que vous. Est-ce qu'on peut s'écouter, monsieur? J'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas certaines personnes dans le village pour le monopole de la République. On est tous liés, comme ceux qui sont membres de la France, on vient de l'Angleterre là-bas, et voilà, ça nous a ils ont des emplois. Et donc l'histoire qui est ici, enfin, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a même pas de... Parce que la population a suivi. Vous m'avez coupé la parole, c'est pourquoi j'avais pas fini. La population avait suivi ce projet seulement sur l'aspect du taux B. Mais je ne pense pas que les gens étaient d'accord pour aller créer de nouveaux chemins et de construction. Alors, on vient de t'expliquer qu'on peut retirer les sentiers. On peut retirer tout ça, on peut même retirer la gestion à l'association et le confier, la confier au collectif qui représente. Maintenant, le problème, on reconstruise les choses. Les erreurs des associations, quand on reste dans son coin là-bas sans consulter tout le monde, voilà, ils prennent des décisions qui vont être contraires. Fondamentales. Moi, je voudrais ajouter une chose. Monsieur le Président, en 2016, monsieur Talmadou, quand l'appel d'offres est lancé, elle était adressée à toutes les membres, notamment aux associations. Nous avons un réseau qui aurait pu répondre à ça de la question. Le problème, si je la suis pas membre de la Il y avait quatre candidats à ce marché. La DINEM n'aurait pas répondu, ça aurait été une autre. Voilà. Donc aujourd'hui, ça aurait été une autre structure. En faisant les mêmes activités, les mêmes taux, nous aurions la même disposition. Je suis pas pour moi-même. 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 Je suis pas pour moi-même.
Ramzi. Oui. Bon, je reviendrai sur la version française par la suite. Alors, et en fait, nous voulons que Jimo Ababo, Tongo Zandra, Karistaha, Waka Tongo Zangina, Negati, Idemi, Ndimazat. Non, nous aurons. Mais, Ramongalia, watu wengine wala wana ngumu mujuna havi na pamanzi uhea babo wafanya mavule wasifanya tunguza si mavule tu bia nusongwa dono waliona si batu za wabinguma turisti majotini yani tunzani nungu wateni leorla rasul mali ya tu bia kaisultinia faida lewasi faida yo watu wengine lewaja wajo elengawa alo mana ya kini babo Ramujo kamba, ankarisaha, wande turisu yotu, wato mzalungura wupia mzalungura wupia. Bende wande mtu wamo amba, aktivite turistiki wanyaweni. Basi, ndi wano, ramungale natsoha. Natsoha na fumbuli, rinashisiwa na jiba. Zora sunman der lionazo. Yo tajir der lionao. Utajiri huu, untajirisa mbani dagumba, mbani agawa tajiri wanu hasabu ya toha, hasabu ya shira, hasabu ya shisi wa jimbani. Kavu. Mane wako ilazimu, kongwe handa nekata harbari kishiri, harmwada gula tulimi. Buke watu, waformewe. Yani wasomezewe, na mnajijoto tarungwe shisi wa. Neka mdilisi. A jouer en bas au limen. A mana hindi fanyo huli liye kutu ba jileo bwa tekniki. Zangina spangilo wa mba watu jo. Mana kini mimtiti watu jokini ya kongo nyengi nzuri tu. Kibaratisha witi. Yo ya handa. Mlozi a jouer fundisiwe a seikiwe a pare tongo zahe. Ile shisiwele imdele kemba yole maisha he ya kila sufu na zangina na zangina. Zafie leo na mojoke disturu en bas. Wasi aktivite za turismu zo. Kasusaha, mtahuru vingi, mtahuru, mtahuru vingi havi. Imeso yaki, mtahuru vingi havi. Mabali wa mtanga, reaga mune mindo yu kakenti. Haa. Wati? Kwa mbali ya mtanga, kifresisi yu debi. Nishema, sisi ya, kastara mtanga, yani, nishema, yani, bago sutisa, manarongwa, ismita mungu mswami. Alo, ma question atesensi, ok? Alo. J'ai précisé au préalable que nous avons sur le nord des patrimoines, des atouts, des richesses. Sauf que, alors là je parle de Tsoha à côté, je parle de la plage Fongui et je parle de Nilou. Donc on est tous d'accord à dire que ce sont des patrimoines, ce sont des atouts, des richesses. Mais la question est, mais qui est-ce qui a été enrichi grâce à ces atouts? À nos patrimoines, il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Mtamboro a besoin qu'il y ait des hommes et des femmes formés pour être prêts à exploiter ces richesses. Parce qu'il faut que ces atouts produisent de la valeur, produisent de la richesse. C'est comme ça que Mtamboro, les Mtamboro, la population pourra bénéficier. Alors moi, ma question est celle-ci. Si on me dit que les activités touristiques, on n'en veut pas, mais où va Mtamboro de demain? Nous, la nouvelle génération, où est-ce qu'on va y aller? Alors, j'ai peut-être pas compris le fond et l'ensemble de... Non, mais moi, bon, ok, Lilo doit rester à Mtamboro, d'accord. On ne doit pas toucher aux cultures, tous les chambres. On doit rien toucher, on doit le laisser à son état naturel. On est tous d'accord sur ça. Mais quand j'entends qu'on ne peut pas développer des activités touristiques, alors je ne sais pas quoi dire.
en termes de développement. Création du chômage. Les farés, parce que non, ça. Alors, je m'excuse encore une fois d'avoir une voix un peu dissidente, mais moi, comment je vois moi, le développement de notre territoire? Comment est-ce que toutes ces richesses pourront nous développer, pourront nous enrichir? Ma foi, il serait peut-être pertinent qu'on ait une vraie discussion profonde, qu'on sache exactement qu'est-ce que nous voulons ici, où est-ce que nous allons aller, et c'est quoi notre vision du développement de ce territoire. Mais encore une fois, même si je suis d'accord sur certains points, sur celui-là, je... Ton champ n'est pas militaire. Il y a une question de touriste qui est quel type de tourisme j'entends là-bas? Alors, j'ai commencé par dire, il y a de richesses dedans. On doit former les hommes et les femmes de Mtamoro pour exploiter. C'est ça ce que je dis. Si on veut nous enrichir grâce à nos richesses, des hommes et des femmes sont formés pour ça. Voilà, c'est ça, moi, quand j'entends un autre discours, alors je ne sais pas que dire à mon enfant, que dire à mes enfants sur le développement de ce territoire. Sifunikia mahabisi, nisikia wa maya tu, wa baba tu, wa nautungu, na malaba, Monsieur Fondi, yo suje yo wa itowa yo muhimu sofe, mana nasi, li ngalie kula iti aluna mali, yo turismo, ya mengoni na yi rasubu mali ya iti. Toko zinyani. Silence. Arriva Mamlaka Yastrom. Silence. Ambar Paranem Estalatim. Rongwe Zat. Yabaki Man. Vai Rongwe Bakam Jobaki Hambufu.
mana ana sangira zingoche waya suna wase wami wamosh bam zamba kinani bam satar pare dala c'est pas un débat on est c'est tout on est qui est qui est tout namzi amure vous avez dit que c'est difficile d'exercer un kwasa-kwasa déjà entré dans le platine. C'est déjà difficile parce que les bâtons ne sont pas sur là-dessus. Et vous avez dit que vous allez mettre le ponton dans le platine. Pourquoi vous ne changez pas cette idée d'aller mettre une plateforme au large de l'îlot? Déjà, c'est la mer, elle est haute. Les bateaux peuvent accoster et attendre que le poisson arrive, ils les interceptent avant qu'ils entrent dans le platier. Voilà, voilà. C'est bien, c'est mieux que là qu'un ponton qui est dans un platier. C'est comme si on a deux radars ici, mais qui ne fonctionnent pas. Là-bas, le radar de M'Sahara, il garde seulement l'îlot parce qu'il ne voit pas de l'autre côté. Merci. Merci. Ma pepe chato suolatu, ma lilia chato suolatu, ma sindia chato suolatu. Wasi nina peidachi. Sarefele kapsa wane de mjemba kishesti wazi. Na mulawe, mbele na jafenu. Mulawe. Wati wasi. Wati wasi. Wati wasi. Wati wasi. Wati wasi. Wati wasi. Wati wasi.